Depuis un certain temps, la cité reçoit des visites inopinées des malfaiteurs. De jour en jour, on a commencé par faire une filature, comme on dit, des renseignements. Donc le vendredi dernier, il s'est rendu dans une maison où il a été découvert. Et suite à cela, que nous sommes partis le prendre. De fil en aiguille, sur l'interrogatoire, il a avoué que c'est lui qui opère dans la cité. Donc c'est lui l'auteur, présumé auteur des vols répétés à la cité. Sur l'interrogatoire, il a dit que les objets, certains objets volés, ont été déposés chez lui à Rondjouaouji. Le vendredi, on a fait un déplacement sur Rondjouaouji pour aller ramasser les objets tels que la télévision, la valisette avec des instruments, avec les objets vestimentaires. Sur l'interrogatoire aussi, il a avoué que les ordinateurs volés sont déposés à Cotonou chez un technicien. Le lundi dernier, on a fait un déplacement pour aller récupérer deux ordinateurs et autres. Dans son mode opératoire, lorsqu'il vient dans la maison, il cible, il voit que si la maison est déserte, il rentre, il prend un objet, soit c'est le coucou, soit l'homme s'est assis pour ouvrir, et puis il ouvre la porte, il rentre, il s'assied, d'abord même il mange, et il opère, il ramasse tout ce qui est dans la chambre. Donc, et il a un acolyte nommé William, qui se trouve à Révier, à qui il a des relations. Et cet ami, il paraît, selon cette déclaration, a une copine ici, qui est une couturière. Donc, on lance un appel vibrant à la population de nous aider, qu'ils sont toujours couverts par notre descente dans les villes. Nous voulons seulement des renseignements